Gabin, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Aujourd'hui, on fait un petit compte, ouais, non? En fait, c'est la suite du sujet de l'étudiant allemand sur Paris. Là. Vous avez vu ce qui s'est passé, donc voilà. Je voulais donner mon avis sur ce que l'arrêt s'est envoyé, la petite s'est envoyée hier. Là. Donc, je voulais donner mon avis sur ça. Je crois qu'on m'a dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, puis stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors, arrêtez au tout moment. Passez ça, les camarades, le comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes à personne. La personne s'élève et t'insulte. C'est quoi, selon moi? C'est grâce à moi. Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai le signe il n'y a pas longtemps, le piment congolais. Vous savez, le piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Vous l'avez le soir, man. Il arrive sur moi, il tombe dans son. Aïe, connie, aïe. Votre man, connie, aïe. Même vous, connie, aïe. Bref, ce sujet-ci, c'est la suite du sujet de l'étudiant allemand. Après le midnight, Parigo, oui, les gars de Parigo sont en train de nous faire peur. Oui, les gars, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans la fin, là. Ils sont en train de montrer le fire. C'est des vous. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé le sujet? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Comme j'ai dit tout, quand tu as un sujet, fais des vidéos. Fais comme les autres du Canada et partout. Fais des vidéos, vous parlez de ta vie. Le but du test, c'est quand tu as les commentaires. Dans les commentaires, il y en a qui prennent d'exemples, qui comprennent que les pièges de la vie. En fait, j'explique. On peut considérer le sujet comme une sorte de sociologie. Oui, c'est une sorte de sociologie de la marécage. Pour nous, vient tout par le bas. Pour d'autres, vient par le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mes interventions? Souvent, mon but, comme j'ai dit, c'est de donner les conseils aux petits frères et petites sœurs, ceux qui n'ont pas plus d'espérance que nous. Et parfois, je suis de manière. J'ai ma manière de. J'ai ma version. Moi, je donne ma façon de cacher. C'est-à-dire que je ne donne pas le lait. Enfin, c'est ma façon d'être. Parce que je n'ai jamais voulu dire les choses seulement pour faire plaisir. J'ai dit ce que je pense. Et quand quelque chose n'est pas très clair, je donne pour les penser. Et souvent, ça énerve souvent certaines personnes. Oui, Waman, tu es trop dire. Oui, Waman. Parce que je ne sais pas moi faire l'hypocrisie pour avoir les likes. C'est pas mon but, c'est pas souvent les likes. Il faut savoir, c'est pas les likes, c'est pas pour les likes. Je donne mon avis. Si ça plaît, c'est mieux. Si ça plaît pas, voilà. Mais au moins, donne mon avis. Celui qui dit que c'est pas ça, il faut faire sa vidéo. Donc, dans le sujet de couple, souvent, je donne mon avis. Surtout quand c'est marié, j'essaie un peu de donner mon avis de manière normale. Quoi. C'est-à-dire que parce que le but n'est pas de séparer les gens. De faire en sorte que chacun reconnaît son tort. Et dans le sujet de ce garçon, tout le monde voyait lui-même que ça c'est. Il y a trop de jonglerie. Quand le gars a voyé son sujet, j'ai donné mon avis sur la vidéo là. Et voilà, hier, je reçois dans le mail le sujet de la petite sœur là. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer ce qui se passe quand j'ai reçu le mail. Quand je reçois le mail, au début, je lis d'abord. Je vois Marie. D'abord, elle dit c'est moi la fille enfin, de l'histoire. Là, je ne vous cache pas. Je me suis comme ça dit, peut-être dans mon analyse cartésienne, là, je suis allé loin. Donc, je vais lire ça, c'est sûr que la fille a donné les arguments. Parce que je m'attendais à des arguments, je me suis dit, vous savez, quand vous mentez ou quand vous faites un truc, parfois les gens analysent, on analyse ce qu'on voit. Le thé n'a pas analysé que les sujets, on ne connaît pas là ce qui se passe par derrière, on ne connaît pas les à côté. C'est à vous de dire dans le sujet pour que chacun analyse. Donc, quand on analyse parfois, parfois il m'arrive d'analyser un sujet, par un gars se plaint, j'analyse, après la fille vient se plaindre aussi, fait le rebondissement. Moi, je commence à poser la question sur le gars, mais le gars, si, il n'a pas exagéré, si, et la fille vient dire ça, ça commence à sentir gênant. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y a un rebondissement, tu check. Parfois, c'est la fille se plaint, parfois le mari vient aussi, check, tu dis, la fille s'exagère. Donc, mais dans le sujet, si, quand la fille a fait ça, je me suis dit, oh, peut-être ça allait bon, je vais lire et comprendre. Et surtout, elle a cité mon nom, elle a dit, Waman, tu ne peux pas demander ce qui m'est arrivé. Et là, je me suis dit, ouh, honnêtement, je vous dis en lisant, ouh, Waman, la récit m'a été cassée parce qu'il faut voir. Moi, je suis un grand frère, ce sont mes petites soeurs, toutes ces petites soeurs. Donc, quand une petite soeur m'interpelle, parfois, j'ai un peu honte, vous voyez. Je vais lui dire, ouais. Elle m'a dit, le grand, c'est m'a cassé. Donc, quand la petite a dit, Waman, tu n'as pas vu, je me suis dit, peut-être j'ai exagéré la petite soeur. Bon, c'est la petite soeur dans ses arguments et que ça me fait, parce que même au criminel, quand tu mens, il faut mentir bien. Si tu mens bien, le doute, c'est on va te libérer. C'est ça le but. Le but, on ne libère pas tous les gens qui sont innocents au criminel. C'est les gens qui savent mentir, c'est seulement le goût. Donc, si c'est la petite, c'est même si elle ment ou pas, mais qu'elle donne un argument valable. Moi, je vais checker et dire, hey, petit frère, peut-être qu'on a allé un peu loin sur le côté là. Peut-être, imaginons, d'après ce qu'il pensait. Kevin dit, j'ai eu un malaise. On oublie l'appel du dimanche matin. J'ai eu un malaise, on m'a amené à l'hôpital. D'ailleurs, vous pouvez, j'ai les papiers de l'hôpital tout autour. J'ai même les trucs d'ordonnance. Là, n'importe qui, même si on sait que c'est moi, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'elle montre la preuve. Vous voyez comment le doute c'est simple. Mais quand je lis dans son sujet, la petite, je lis, voilà, je commence à lire, j'entends les trucs. La bataille était déchargée, mon gars aussi, sa bataille était déchargée. J'ai pris la route pour aller à l'hôtel. Arrivé à la route, j'ai perdu la route. Je suis rentré sur mon gars, il a bien accepté de me berger pour la nuit. Tu parles. Qui refait la nuit, n'a pas rien. Et j'ai dormi. Elle a dormi le samedi qu'elle a raté. Et le dimanche, elle revient encore. Elle rentre, au lieu de partir, elle va venir que ce soit à 19h20. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais, hey, honnêtement, est-ce que la petite se rend compte de ce qu'elle dit? Oui, c'est fou de ma gueule. Je vous dis, j'ai encore les raisons, mais j'ai un peu qui dit, mais ça, c'est le mensonge, quoi. C'était tellement flagrant. Donc, à ce moment-là, tu ne sais même plus cacher. Même celui qui veut te soutenir trouve que tu es exagéré. Donc, la fille, je pense que la fille n'aurait pas dû réagir, dans mon avis. Elle aurait laissé son rebondissement, là, laissé son corps, laissé le doute comme ça. Mais quand elle réagit comme ça,
Tout le monde, même celui, même ta petite soeur, même père, même ton père, ton grand frère, même père, va savoir qu'il y a une binda dans ça. Ça se voit que tu as la binda est ouverte. On voit dans ton sujet comment il y a eu la binda. Quand tu dis que tu as donné la binda, parce que je ne savais pas, dans le sujet, je ne savais pas que le gars avait le physique, tu partais voir. Enfin, je ne me rappelle pas avoir lu ça. Je ne me rappelle pas avoir lu que le gars avait le physique, tu partais voir ton pote. Donc le gars avait le sentiment. Un homme, ton copain, imaginons, allons, c'est vrai. Tu viens d'un mari, ton copain, ton amoureux, vous viens d'un mari, il te dit allons à Paris en week-end d'amoureux. On connaît les filles quand elles sont amoureuses. Quand elle fait amoureuse, elle pense à son gars. Vous n'allez pas parler. En route, elle dit ne pas pâcher ton gars. Là. Un homme est jaloux. C'est normal. Même moi, je ne veux pas un ami. Je ne veux pas. Point. Là. Il n'y a pas de discussion possible. Soit tu le choisis, soit c'est moi. C'est comme ça. Même si c'est un cousin, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et tu dis, papa, puisque là, par manque de respect, tu arrives à partir. En vacances, en week-end amoureux. Où c'est censé être un moment de communion, d'amour, de regard, de plaisir, de façon d'être, de ressentir du bonheur entre deux personnes, deux êtres qui sont censés s'aimer. Tu les laisses jusqu'à là. Contre sa volonté, tu pars. Vois cet ami-là. Tu n'appelles plus, tu dors. Tu arrives à. Et non, alors, sérieux. Chez cet ami garçon, pourquoi tu ne parles avec lui, petite soeur? Pourquoi tu ne parles avec ton gars chez ton ami garçon-là? C'est un garçon, c'est pas une fille. Tu as répondu par là avec lui. Oui, tu fais la présentation. Ou tu dis à ce gars de venir à l'hôtel, vous trouvez. Il n'y a pas de souci. Tu présentes. Tu n'as pas fait. Tu es parti là-bas. 19h20, l'appel. Ton gars, une fille qui est amoureuse. Une jeune fille qui est amoureuse. C'est pas que là, tu es une jeune fille amoureuse. Ton gars, l'hôtel tout seul. Tu arrives à. Si ton ami, vous tapez les commentaires, la nuit tu dors. Bon, tu sais que tu dors, tu as arrêté les avions, tu t'es couché. Bon, imaginons, tu as dormi. Tu n'as pas pensé où est ton gars. Si je peux l'arriver. Et qu'est-ce qu'il peut penser où tu es? Peut-être qu'il peut avoir un accident, on ne sait pas. Et si que je t'arrive à Paris, on va aller voir qui n'est pas ton pote, on va aller voir ton ami, on va dire qu'il t'a vendu que Paris t'a fait. On va tout dire. Tu arrives à dormir chez ce pote. Tu ne réveilles pas ces garçons. Ça veut dire que le lendemain encore, tu envoies un message que tu ne viens pas le matin. Hein? Non. Tu ne viens pas le matin. Tu viens le soir. C'est-à-dire que le week-end amoureux, vous avez fait combien d'heures ensemble? Vous arrivez à Paris. Donc voilà, quand j'ai vu ça, en plus tu as perdu l'hôtel, la route de l'hôtel. À Paris, il n'y a pas les rues. Tu as la première touriste à Paris qui paie. Comment tu peux dire que tu as perdu? Tu vas à la police. La nuit, il n'y a pas la batterie. Tu appelles le voisin. Paris a vu les bornes partout. Tu sautes, même le voisin, là où tu habitais, le gars. Donc, et tu n'as pas le crédit. Ton compagnon n'a pas le crédit. Alors, c'est lui. L'ami n'a pas le crédit. Comment? Il t'a fait comment pour t'amener chez lui? Vous avez vu comment? Vous avez vu comment? Parce que pour te venir te trouver, soit tu étais allé avec des années avant chez lui, tu conseillais à la route, tu allais façonner, il était à la maison, soit il t'a appelé pour te trouver un gars pour venir te chercher. Il n'avait pas le crédit pour venir te chercher. Il t'a cherché avec un crédit. Ta batterie était déchargée. Pourquoi tu n'as pas levé la plupart de ton ami pour donner à ton copain mon amour, mon chéri? Ouais, je ne peux pas rentrer, c'est fait, il y a les agressions. Donc, une raison inutile comme ça là. Même si ça n'aime pas bon, tu donnes. Tu n'as pas déjà dormi ce matin. Le matin, tu te réveilles, tu envoies un message par appel que tu viens le soir. Et puis tu viens, tu rentres le soir, ton ami te met dans la voiture. Pour l'hôtel. Comment il a trouvé la crise de l'hôtel? Arrive à l'hôtel, maintenant tu ne le trouves pas. Tu es Wanda. Et qu'est-ce que tu fais? Tu retournes encore chez ton ami. Et tu dis qu'il a bien voulu te berger. Tu es retourné, tu as dormi. Tu as entendu, tu viens de sonner. Petite, même en essayant de te soutenir, c'est trop flagrant. C'est ça qui crée un peu le petit buzz sur Internet. Il y a les gens qui réagissent parce que c'est trop. Il y a une binda plusieurs fois. Tu as une binda avec les garçons. Et c'était mieux d'avouer. Je pense que c'était mieux de dire à ton gars, écoute. On a essayé, il a essayé, mais j'ai refusé. On n'a même pas mis la main, voilà, il a essayé, mais on n'a rien fait. Que ne dit que c'était comme ça, les téléphones téléchargés, les routes perdues, tu as perdu les routes, on perd les routes à Paris. On demande, tu peux, imagine, tu as perdu le téléphone, l'armée, tu as trouvé le téléphone, comment? Vous voyez? C'est pour ça que ça m'a, quand ton message m'a glacé, j'ai dit, ouais, en pensant ça, il m'a dit, ouais, boy. La petite Sambinda, ton ami d'enfance, je vais te dire, pour moi, d'après ce sujet, je vais dire au moment de la fille est très amoureuse de son ami d'enfance. Elle aime le gars dans Paris, la marque, son amour de jeunesse. À mon avis, elle adore ce gars. Et le problème, c'est que quoi? Quand elle a fini la binda, le gars ne l'a plus géré. C'est le genre de gars qui tire lui, après, il dit que bon, tu rentres sur son gars. J'ai dit dans ma vidéo parce que ce genre de gigolo là est au courant de que tu es là. Ton ami d'enfance, ou son ami, que tu dis, ami d'enfance, c'est la même là. Et il savait que tu avais un garçon. Il savait que tu avais un garçon qui a tout payé. Il sait la position. Donc, il s'en fout. Quand il a fini maintenant de cracher, maintenant, tu rentres maintenant, il n'y a plus personne maintenant pour te soutenir. Tu rentres voir, tu trouves dans ton gars maintenant. Était vraiment le diamant. Tu essaies de le reconquérir. Ça vous regarde. Moi, personnellement, je donne mon avis sur le truc, mais je trouve que tu es, c'est trop. Et c'est très compliqué, vous les femmes. Vous savez pas que quand un homme se rend compte que. Vous savez, vous pouvez mentir un homme que. On peut dire à un homme que tu as couché avec un garçon, il est pas au courant, il n'y a pas de preuve, machin, tout. Ça joue encore dans le doute, il a ça. Mais quand il sait, au fond de lui-même, par manque d'esprit que tu as fait ça, sa tête chauffe. J'imagine ce que le péril qu'elle a dans sa tête, avec tout ce qui se passe à Paris, là. Et tu manques très mal. Pourquoi tu n'as pas carrément dit que tu as eu un malaise? Et que tu as. C'est pas moi que. Voilà. Que tu es allé chez Hugo. C'est pas moi. Une raison qui pouvait douter. Mais pas de dire que le téléphone est perdu. Machin. Le taxi a fait comme ça. Tu es rendu la batterie. Mais le batterie, c'est déjà à Paris, vite. Hein? Apparemment, à Paris, le batterie, c'est déjà. Il y a un cas, c'est déjà à Paris.
On ne peut plus la chercher, on la cherche, on rentre. Hein. Et tu viens le dire, tu es étonné qu'il est parti. Ton gars est très gentil. Hein. Je pense que c'est un gars qui est posé. Je l'ai dit, il n'est pas de violence. Parce que la guerre ne sert à rien. Mais dans ton cas, je pense que tu es allé trop loin. Je cite tes parents, tant mieux pour vous. Mais il y a trop de doutes. Et tu mens. Mais tu mens. Et je me rappelle la parole de ton gars qui a dit, il a dit que c'est une fille bien posée. Il t'aimait beaucoup. Il te trouvait bon, de bonne qualité. Mais là, tu avais quelque chose encore. Hein. Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas. Je vais vous dire, d'après mon analyse, vous savez, nous, on analyse toujours la manière sociologique, la marquage, de quoi. Une fille qui fait ça n'est pas une fille qui est nouvelle dans ça. Je vous dis, ce n'est pas ta première fois que tu as ce comportement dans la tête. Tu es une fille qui a un comportement sinoise et dangereuse. Je le dis, et c'est pas pour. Voilà. Mais c'est ce que je le sens, parce que nous, on dit cache. Ça élève, ça élève. Tu es dangereux parce que la manière que tu fais là, c'est une précision forte. C'est-à-dire que tu es calme, tu pars quelque part. Parce que imaginons que tu t'arrêtes ton copain à 14h. Tu as tiré tes légers. C'est normal, le léger, voilà. Tu rentres à 19h le samedi soir, voir ton gars. Ça aurait passé dans petit soeur. Pourquoi tu n'as pas fini? Tu rentres, tu vois ton gars, tu dois revenir. Non. Tu as tiré, vous avez bien tiré. Tellement c'était bien, tu as continué encore le truc. Tu as dit non. Hé, un match de football, comment on sort dans ces 90 minutes? Parfois, il y a des prolongations, je lance la prolongation. Tu as encore continué. Tu ne l'as pas appelé toute la nuit, mais tu me fais ça. Ce que tu as fait là, manque de respect total. Ça veut dire que tu veux dire. Ça va peut-être faire mal. Tu n'aimes pas ces garçons. Je pense que tu les méprises même. Tu n'as aucun respect pour ces gars. Même pas un respect de dire qu'il dort comme ça. Alors on a un voyage amoureux. Il dort dans le temps. Et tu sais, tu arrives à dire que. Je lui ai dit d'aller voir les potes. Mais tu dis, vous allez en vacances à vous, ce week-end amoureux ou en vacances, allez voir les potes. Tu lui dis d'aller voir les potes. Non, tu es trop gentil comme ça d'aller voir les potes. Il voulait être avec toi. S'il a payé 600 euros, c'est pas pour les potes. Un homme qui paye 600 euros pour un truc, un jeune étudiant comme toi. Pour le tête, tout ça, il n'a pas payé. C'est pas aller voir ses potes. T'en as mis l'enfant, t'en as quand tu vas envoyer, t'en as mis l'enfant qui te bouge là maintenant, qui te doute là maintenant. C'est pas bon. Donc voilà, quand j'ai lu le sujet de la petite sœur là, j'ai trouvé ça trop jaune, c'était flagrant. C'est flagrant. Qu'elle avoue, qu'elle dit à son gars ce qui s'est passé. Voilà, tu peux même dire que tu es en binda. Voilà, il est en binda, il faut dire ça. Ça va l'énerver pour le bébé, mais pas le jongler. Parce que le doute que tu as mis là, le doute avec le souci, c'est trop, même tout le monde. C'est que, tu vois, monsieur, on voit monsieur les commentaires. Même les filles, parce que souvent, vous savez, souvent les filles quand même, souvent, les gars, général, elles se soutiennent même dans le faux. Souvent, dans le faux, même parfois, et on le voit. Nous, les hommes, c'est pas la même chose. Souvent, nous, les hommes, même moi-même, c'est, je peux soutenir parfois pour les légers, hein, légers à côté de oh, le gars, léger, c'est rien. Mais quand les gars aiment fort pour une fille, ça me fait mal. Je ne peux pas supporter. Je cache tout de suite ce qu'elle pense sur le gars. Je dis au gars, tu es exagéré. Bah, ça peut être son soeur, tout ça. Ma femme, nous, on a souvent pitié des soeurs, nos petites soeurs. Mais les gars souvent n'ont pas ces pitiés là. Les gars souvent se soutiennent entre eux, même dans le foyer se soutiennent. Mais dans celui-ci, il n'y a personne à soutenir parce que c'est trop. Tu te rends pas compte, quand même, aucune fille n'a soutenu parce qu'elle-même, elle trouve que tu as exagéré dans le mensonge. Il n'y a même pas moyen qu'une fille vienne dire oui, mais là, vraiment, donnons le bénéfice. Là, quand même, non. Tu dis, parce que quand tu fais les successions de téléphone déchargé, bizarrement pour ton ami aussi, il n'a pas de crédit. Bizarrement, toute la nuit, il n'y a plus de crédit de venir en Paris. Bizarrement, tu dors le samedi. Oui, c'est ça, non? Tu as dormi samedi soir jusqu'au matin. Imagine-toi sans ton gars. Et tu te lèves dimanche matin. Tu envoies un message. Tu dis pas que tu es rentré vite parce que tu veux le matin 27. Tu dis, mon gars est où? Une fille amoureuse. Hé, je l'ai essayé. Non, tu n'as aucune conscience. Même si tu as tiré, tu pourrais tirer. Tu dis, bon, je tire, je rentre le matin. Non, tu envoies le message que tu viens à 19h. Donc, toute la journée, là, c'est à l'heure de t'attendre. Qui? Même là, les filles ont dit non. Donc, voilà, c'est pour ça que ça va peut-être te déranger, petite soeur. Mais je pense que. Tu as attaché la corde toi-même, hein? Tu as fixé la corde toi-même. Je sais, honnêtement, je ne peux pas. Dans ce genre, je lui ai dit que. Dis au petit frère que non. Peut-être qu'il y a bénéfice de tout. Peut-être que c'est vrai que non. Quand c'est trop flagrant, je n'arrive pas, ça m'étouffe. Je ne sais pas moi soutenir le faux. C'est-à-dire que même quand un homme fait un truc, je peux dire à la fin, c'est plus fort. C'est-à-dire que quand c'est trop flagrant dans ma tête, je lâche moi. Tu n'as pas été trop fort. Voilà. C'est ce que je veux dire de mon avis sur ce sujet-là. Voilà, ce sujet de Paris-là qui a un peu chauffé la tête. Je pense que c'est à vous de décider. Si vous pouvez gérer entre vous. Mais nous, au terme, on donne la vie. Chacun donne sa vie sans complexe. Ça, le test. Ça permet aux petites soeurs et aux petits frères de regarder et faire attention dans la vie. Le but du test, c'est ça. Quand chacun donne sa vie, c'est chacun lit. Parce que je connais beaucoup de terres. Il y a beaucoup d'enfants de Cap-Bola qui ne connaissaient pas le modèle sous-quartier. Depuis, ils sont devenus wise. Chacun commence à regarder maintenant, faire attention. Il y a ça que les camions n'aiment pas. Il y a ça que les filles camionnes n'aiment pas. C'est bien. Voilà. C'est tout mon avis sur le sujet. Ouais, non, voilà. Paris est devenu la destination au risque, on va dire, le petit frère. Maintenant, pas là à Paris. Hé, je voulais finir, Vini. Il y a deux sur le terrain, ça m'a marqué. Je vous dis ça parce qu'il y a une gars, elle au Canada, et une autre, je crois, en Belgique, ou en France, entre la Belgique et la France. Mais c'est le Canada, Mawanda. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille du Canada, elle va venir au Cameroun, elle va venir à Paris, en vacances, je crois. Oui, au Canada, son mari a dit non.
Ils m'ont dit ça. Deux personnes m'ont dit ça. Je Wanda. Son mari a dit non. Elle dit, quand elle m'écrit, elle me dit, Wanda, tu sais ce que vos vidéos, vos sujets en fait. Mon mari ne veut plus pas parler en vacances. Il a dit que je laisse pour qu'on va aller comme ça parce qu'il n'est pas bougé. J'ai la fatigue. Le mari a dit, Nada, le mari a dit, et le canal a dit, il veut pas que tu que sa femme vienne à Paris pour les vacances. Les maladies du mari font feu au gars. Et c'est de France ou de Belgique, il m'a dit que son mari ne veut pas aussi qu'elle va à Paris, qu'elle va aller faire aussi les choupes à Paris, son beau, c'est choupi, je sais plus quoi. Son mari, son copain, pardon, a dit que, oublie le côté là. Donc, une derrière, les gars font le gros nom, les gars, fier à Paris. C'est la fille du Canada, la femme du Canada qui m'a fait, ils ont les enfants. Elle dit qu'on devait les enfants, je veux les enfants aller à Paris pour le pousser, c'est un mot, c'est deux mots. Le mari a dit qu'elle, oublie. C'est sûr qu'elle a dit, mon chéri, comment le, on va imaginer là, que au Québec, mon chum, moi je vais aller à Paris. Je vais aller faire un mois le mari à son. Hein? Il a mis les langues de marin. Ça! Quel peuple de Midin. Les gamins la Minda. Mais on parle de son nom, on est mort. Le mari à son. On est Québec, tu vas à Paris. Hein? Maman! On va paralyser ma femme. Moi j'imagine la tête des gars, je suis un objet à la tête des gars. Ça a dit chérie. Pour le vol Toronto, Paris, je veux bien me reposer au Paris. Toronto, Paris. Yes. Mami Pima, je veux du go. La folle à ma mère, mon mari ne veut plus que pas à Paris. J'ai ri, ça pour coucher ma tête. Que t'as melon aussi veut parler. Il dit mec, voilà que les vidéos aussi sont. Voilà, ouais, mais non. Paris fait peur. Ah, non, vous savez, parfois ça fait rire. Rire, ça fait du bien. Ma journée est bien gâtée avec les rires comme ça. Les rires, on est content. Nous, les caméras, mon frère. Pourquoi la binda est dans nous comme ça, mon frère? Ça veut dire vraiment. Tu fais l'erreur, les gars, ils cachent. Les gars, t'es binda ta gare comme ça, mais tu confirmes. Et c'est pas les filles, quand même. Quand on les binda bien, elles ont sommeil, elles dorment bien. Les quotas, il y a un mot. Et nous disent le dernier, que ça va aller prochainement à Paris. Hein. Qu'est-ce que vous, les filles, quand même, là, qui disent voilà à Paris, je dis, vous parlez même que pas créer une société en Italie ou partout, là. Vous allez à Paris, vous sur la mine. La mine, c'est un travail. Toujours le goût, trop de goût. Personne n'a dit là-bas, personne n'a dit ce sujet que Marseille, il faut prier. Hein. Personne n'a dit il faut prier. Donc, on a oublié la prière. Ouais, parfois, même les gens me demandent, parfois, que tu fais vraiment pour tenir le terre. Au-delà du travail, de tout ça, il y a les lapins. Vous savez, les lapins font du bien dans ce monde de stress. Mais là, il y a les lapins qui vous font tenir. Il y a les commentaires, les trucs, les réactions. Quand j'ai fini, on sait, ma femme me dit, son mari a dit au Québec, ne parle pas à ma chère. J'ai ri, ça se dit mal, c'est grave. Je connais les gars, la fia. Quand les gars sentent le danger, mon ami. Le mari du Canada peut dire, bon, vas-y. Mais il va se poser la question. Mais les Wamans ont parlé dans la vidéo. Là. Je peux y avoir confiance, ma femme. Mais je dis, Les gars ont parlé d'un mouf, le Canada, d'un gars, comment on fait. Ils ont quel genre de mouf. Il a checké, il a dit, oh, annule. La femme m'a dit, j'ai un bébé, il dit, j'ai dit d'annuler. Moi, j'ai le moyen, j'ai même payé tout. Voilà, c'était mon avis sur le sujet, non. Petit seul, là, arrangez-vous. Si ça va, chaque vous, nous, on est dans notre avis, le reste, ça vous regarde. Nous, on analyse ça sans caresse, on donne chacun, et puis voilà, on fait comme ça. Tchatche Bunga à tout le monde. Mais, là, je m'en vais, mais je ne vais pas parler. Je laisse ici, on fait comme ça.